Et bien bonjour à tous, c'est Kizimin, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode de Space Engineer Evolution. Alors, programme du jour. Bah déjà, on va désactiver la tour. Là. Et on va le ramener à la base. Alors vous allez dire, pourquoi tu le ramènes à la base? Bah tout simplement parce qu'en fait, on m'a fait remarquer par message l'autre jour après le live que j'avais oublié une petite chose importante sur mon vaisseau. Et en fait, je lui ai pas mis de trieur de convoyeur. Du coup, c'est bon. Ça marche moins bien. Non, il faut admettre que ça marche beaucoup moins bien quand tu mets pas le trieur de convoyeur. Pour être honnête, faut dire ce qui est. Du coup, on va modifier légèrement le vaisseau pour pouvoir mettre le trieur de convoyeur. Voilà. Et après, du coup, je vais modifier aussi du coup, la course aussi du vaisseau. Parce que. Hop là. Alors, du coup, il faut un trieur de convoyeur. Ça, il n'y a pas photo. Et oui, et moi, comme un vieux, je l'avais oublié celui-là. Non, vraiment, j'avais vraiment oublié qu'il fallait mettre un trieur de convoyeur avec le PAM pour que ça fonctionne. Ah, super. Et non, et non, et non, c'est magnifique. Je ne vois rien. Super. Ce petit ingénieur toujours aussi bien optimisé, toujours bien, ne bug toujours pas. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, je sais pas si vous avez vu, ils vont sortir une édition 10e anniversaire de Space. Les mecs, ils ont même pas encore mis au point leur édition de base, de sorte qu'une édition anniversaire. C'est quand même drôle. Enfin, ils vont sortir où elle est déjà sortie, en fait, j'en sais rien. Perso, ça m'intéresse pas, mais. Tac, tac. Alors, du coup, maintenant, trieur de convoyeur, trieur de convoyeur, trieur de convoyeur, petit convoyeur d'extraction. Il est là. Oui, c'est le convoyeur d'extraction. Le but, c'est de tout vider. Il n'y a pas de liste noire. Ok. Donc là, en théorie, ça devrait fonctionner. Par contre, du coup, faut que je modifie ça. Parce que si je me mets là, et que je viens m'accoster ici, bah, mon vaisseau, il va aspirer. En fait. Donc ça m'intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, et de toute façon, il m'en faut plusieurs des trucs comme ça, il m'en faut 6. Un trieur de convoyeur, je viens de le passer. Et là, du coup, on va repartir. Alors, c'est là que ça va être technique. On va partir comme ça. Alors, non, on va pas partir comme ça parce que le convoyeur faut jamais dans le temps. Bien. Là c'est mieux, je veux qu'il ramène tout. Ah, et lui il doit tout vider. Lui on va le programmer sur tout vider aussi. Là, pas de liste noire. Pas de liste noire, rien, on va tout vider, tout simplement tout vider. Quoi t'as été? Oula, attends, j'ai pas compris. Ah, pourquoi j'ai pas été
Pourquoi je l'ai pas mis le trigger pourvoyeur directement? Bah parce qu'en fait ça m'intéresse pas de le mettre sur autre. Parce que je veux quand même pouvoir avoir un vaisseau qui va se connecter en fait. Je veux quand même pouvoir me connecter et récupérer des choses avec le vaisseau si besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, alors pour ceux qui se posent la question sur YouTube, je veux ne parle pas tout seul, je suis en live. Alors oui, j'en fais plusieurs. Pour la simple et bonne raison qu'il m'en faut 5 et 6. Zut, c'était là. Parce que j'ai la glace, là-bas j'ai le... 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 en fait. Il m'en faut 5 pour l'instant. Mais comme je vais peut-être en faire d'autres après, je vais peut-être en faire 6 quand même. Si on peut, bien sûr, c'est pour gagner. J'ai raté le T. Ouais, je vais pouvoir en faire un autre. Que si je trouve une autre source, faut que je puisse mettre un autre drone ici. Voilà. Et là. Où il faut. Connecteur. Bon sens, c'est mieux. Voilà, tac. Voilà, il manquait des ordinateurs. Oui, je l'ai configuré. Bien sûr, il suffit que je tourne un épisode pour qu'il tombe de sable, hein, évidemment. Parce que sinon, ça serait pas marrant. Bien sûr. C'est pas drôle qu'il n'y ait pas de tempête de sable. J'ai l'impression que le jeu, il choisit quand il fait les tempêtes de sable. Si je commence à tourner mon épisode, ça y est, c'est bon. Je vais taper une tempête à chaque fois que je tourne un épisode YouTube, c'est une catastrophe. Donc, je veux vraiment que je pense à virer cette météo. Alors, je le passe à la fin du live. Je vais galérer. Du coup, on va la supprimer comme ça. Tac. Supprimer la météo. Voilà. Ah, dis donc, c'est beaucoup mieux. Alors, hop, du coup, on peut remettre toi ici. Là, ça m'a tout vidé logiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut à faire? Hop, on va aller se connecter à l'autre côté.
Des manques d'énergie quand ma puissance est infinie, c'est bizarre, ça me prend dans le monde. J'ai mis suffisamment de batterie pour que cela fonctionne. Ok, donc là ça va se remplir. Et ensuite on repart. Quand il sera plein, il repartira. Lui, vous faites juste la course. Il y a un ennemi qui arrive là-haut. C'est pas trop pour nous. Mais... Le plus dur, ça va être de faire en sorte qu'ils ne se rentrent pas dedans quand ils vont se garer. Et ben, je suis un contre-nord à plusieurs. Parce que s'ils arrivent tous en même temps, pour dire qu'il va falloir qu'ils arrivent à gérer le truc. Ok. Ah oui, ça va partir quand les batteries sont à 80%. Donc là, on va charger les batteries. Ok, alors on va modifier du coup celui-là également. Pareil, il va mourir. Oui, non, c'est pas grave parce qu'il y a les bulles des drifters qui sont. Alors, tac, tac, tac. Ouais, c'est pas beaucoup d'air, ça serait pas mal. Oula! Ils sont bien un peu de l'air. Bah, pourquoi? Ah, mais il manque des trucs. J'ai pas suffisamment de composants pour fabriquer ça. Voilà. Oui, c'est vrai que j'aurais pu désactiver la. D'ailleurs, on va peut-être le désactiver, ça pourrait être problème. Hop. Voilà. Il verra mieux se couper quand même. Oui, parce que je risque de pas l'ouvrir. Hop. C'était le trieur. Le trieur de couvrier. Hop là, voilà. Donc là, on est bon.
Bah, les batteries, on a le fini qui est là, donc on va pouvoir lui aussi le paramétrer pour aller chercher là-bas. Alors, il faut savoir pour. Il faut que c'est non, c'est apply. Tac. Tu vas faire un drone pour chaque plateforme de forage. Oui. C'est le but. Normalement, là, ils ont largement la place de passer l'un à côté de l'autre sans se perdre. Tout va bien. S'ils sont pas trop cons. Alors, déjà, est-ce que le... On verra pas ça. Ah, l'autre, il est... Je me disais, il est passé au bon moment, il est parti. Je suis con. Il est parti travailler, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il n'a pas disparu, il est juste parti travailler. Alors attends, par contre, on va après configurer le convoyeur, mais... Je n'ai peut-être pas forcément mis au meilleur endroit pour me garer celui-là. Ok, donc il va attendre que la batterie soit. Ah, donc ça va pas le faire. Donc, et ensuite là ça c'est bon.
Voilà. Il est parti lui aussi. Et donc là, normalement, le loup, il est là-bas et il doit encore se charger. Si tout va bien, il se charge. Si tout va pas bien, il se charge pas. Et là, j'avoue que ça m'emmerderait un petit peu. Ah, j'ai encore fait une nouvelle mise à jour du Weapon Core qui fait que j'ai encore un mode qui ne marche. Là, ça charge dans le câble. Ok, on y va. Alors, par contre, je viens de voir un river s'apparaître quelque part. Ça me fait moyen. Les moyens, moyens. C'est bien un river. Est. Bon, c'est pas grave. On va aller chercher ce qu'il y en a connu là-bas. Alors, ce que c'est. Et puis, on s'arrêtera là pour ce petit épisode. Nouvel objet, Léopard Boots. Ok, bah merci, c'est sympa. Sans parler des composants que tu vas me filer, il y a des il est extrêmement généreux avec toi. Hop là, voilà, merci beaucoup. Incroyable, c'est vite à la con. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas si c'est un mode ou si c'est le jeu qui fait ça. Arrive à trouver pas mal de trucs sympathiques. Bon bah voilà, il nous restera plus qu'à programmer les autres drones. À faire une capture du drone, ça aurait été pas mal aussi pour éviter d'avoir à le modifier à chaque fois. Ouais bon après c'est pas très grave, c'est pas long à modifier. C'est quelques emplacements modifiés, c'est pas vraiment méchant. Donc je modifie un peu ça pour que ce soit plus joli. D'ailleurs je voulais repeindre ça d'une autre couleur. On va faire ça, tiens, on va arrêter. Je voulais peindre ça couleur béton. Couleur béton, c'est pas couleur asphalte. Moi, je l'ai fait un peu grand, la plateforme. Et après, je me dis que c'est pas mal parce que je peux l'agrandir si jamais je veux faire des vaisseaux un peu plus grands. En longueur, par contre, le reste, faut dire que tu vas l'avoir dans l'eau. Maintenant, si je fais ça. Ah, ouais, ça me fait penser. Ça me fait penser, ça me fait penser. Ah ok, il y avait vraiment un reverse qui arrivait. C'est bizarre, je commence à mettre des drones, il y a des reverse qui arrivent, c'est magnifique. C'est quand même chelou, quoi. Ils sont pas mis de percher jusqu'à maintenant. Je commence à placer des drones, bien sûr qu'ils sont pas armés, hein, évidemment. Bon, honnêtement, il va se faire défoncer. Réellement, il va se faire exploser la tête. Et j'espère qu'il n'a pas explosé mon vaisseau au passage. Ça me ferait bien chier. Non, mon vaisseau est toujours là. Eh, quand même, il est costaud. Hein. Il arrive à shooter et le longbow et la base, le truc. Bon, allez, il n'y a plus de bouclier. De toute façon, il est en train de périr. Il va pas tarder à mourir. Oh, c'est violent, hein. Tu tombes, petit. Oh, tu es tombé, c'est ballot, ça, ce qui t'arrive. Dommage pour toi. Va mieux la prochaine fois. Avec un peu de chance. Bon, c'était quoi ce machin? On va voir un peu comment il a fini, lui. Donc, ça passe, donc, intercepteur. Ah ouais. Thank you.
réponse. Yarmouth. Comme quoi, le logbook, il est plutôt pas mal. Hein, on va dire. D'ailleurs, prochain épisode, on va le modifier légèrement, le logbook. On va lui mettre des propulseurs atmosphériques pour qu'il puisse se déplacer plus facilement sur la planète, parce que c'est vrai que l'hydrogène, c'est bien, mais au bout d'un moment... Une planète entièrement gelée, c'est facile de trouver l'hydrogène. Là, on en trouve encore, mais bon, je préfère lui mettre des propulseurs atmosphériques. De toute façon, il a des réacteurs de... des réacteurs nucléaires, je me casserai la tête. Et ensuite, je pense aussi lui rajouter sur lui-même des petits drones de combat qui attaqueront quand on ne s'approchera trop près de lui, en fait, qui serviront d'armes défensives. Alors, je sais pas encore comment je vais les faire, je sais pas encore si je vais y mettre des boucliers ou pas. Mais je pense, parce que sinon les drones vont se faire défoncer de tout. Mais ça, après, on verra. Bien, bah écoutez, sur ce, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. Puis d'ailleurs, on va pas tarder d'arrêter live aussi, parce qu'il est déjà 23h30, hein, donc on va commencer à faire un peu tard. Le prochain épisode, bah, ce sera normalement, si tout va bien, jeudi, et le prochain live, ce sera mardi, pour ceux qui sont sur la live, voilà. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube aussi, hein, si vous voulez voir en live, le prochain live c'est mardi, donc le lendemain c'est un jour férié, je peux me permettre le live le mardi soir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, enfin, tout ce que vous voulez. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir la suite de la série. Ciao, bye bye YouTube.